Salut les amis, ma petite balade là en forêt commence à flotter, donc on va rentrer tranquillement. Et moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on se lance dans un nouveau type de format. La cuisine. Ouais. Ouais, parce que quand tu vis en fourgon, camping-car, etc., tu manges pas que des trucs préparés. Enfin, moi, en tout cas, j'en mange pas du tout. Mais du coup, on cuisine aussi. Et aujourd'hui, ce que je te propose comme première recette, c'est simplement une recette de chez moi. Recette alsacienne qui coûte que dalle, simple, facile à préparer, accessible pour tout le monde. Ça s'appelle les Mecknepfle. Ouais, bizarre hein, comme nom, alsacien. Allez, générique. Bon, parfait, on est à la maison. Ce que je te propose, c'est qu'on voit tout de suite la liste des ingrédients. 400 g de farine, 4 œufs, une pincée de sel, 125 ml d'eau, et tu mélanges. Tu dois obtenir une pâte en fait qui est un peu comme ça. On va faire bouillir une casserole d'eau. Maintenant que l'eau elle bout, on vient mettre du sel. On chauffe un petit peu la cuillère. Et c'est parti. Moi j'aime bien quand ils sont bien gros. Et là, tu laisses cuire tranquillement jusqu'à ce que ça remonte en surface. Voilà. Là, quand tu vois que ça monte comme ça en surface, là, tu peux les récupérer. Alors, normalement, l'idéal, ce serait d'avoir un écumoir. Ben, j'en ai pas encore dans le cabinet. Cette vidéo, c'est la vidéo crash test, tu vois. L'éclairage n'est pas bon. Il n'y a rien qui est bon, en fait. À part ce qu'on fait. Là, concrètement, ça ressemble à ça. C'est de la pâte. Bon, à ce stade, tu as deux solutions. Soit tu les laisses comme ils sont, hein, crus, ou tu mets simplement du beurre dans une poêle et tu les fais revenir. Il y en a qui préfèrent comme ça. Moi, j'aime bien quand ils sont nature. Par contre, maintenant, on va s'attaquer à la sauce. Pour ce qui est sauce, il y a plusieurs écoles, plusieurs sauces. Il y en a qui vont te mettre des pains durs, enfin, tu sais, des petits bouts de pain grillé comme ça. Sauce crème, champignons ou lardons, ce que moi, je vais faire. Mais tu pourrais aussi mettre, par exemple, la compote de pommes. Ouais, si t'aimes bien mélanger les sucrés salés. Moi, c'est un truc que j'ai découvert et au début, j'étais surpris. Mais c'est pas si mal. Et voilà, une recette simple, facile, rapide. On a tous de la farine, on a tous des œufs. Du moins, c'est ce que je me dis quand tu vis comme ça en tant que nomade. Je pense que c'est les ingrédients qu'il faut avoir. C'est simple, c'est bon, c'est de saison. Écoute, maintenant, on va passer à la dégustation. Mais... On va arroser ça avec un petit verre de vin. À déguster avec modération ou avec tes amis, avec qui tu veux en fait. Voilà, bah dis-moi en commentaire qu'est-ce que t'en penses, si tu veux d'autres recettes, si on en fait d'autres. En tout cas, moi je pense qu'on va peut-être en refaire. Salut et bon appétit.